Bonjour, je suis ici aujourd'hui au parc nature de l'île Bizarre. Il y a environ 10 km à faire. Je ne sais pas si je vais être capable parce que la neige, il y en a quand même beaucoup. Puis là, j'ai mes raquettes dans le truck, mais je ne les ai pas amenées sur moi. Parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Mais en tout cas, je suis ici avec Zoé. Puis Zoé, depuis tantôt qu'elle va sur la glace du lac des Deux Montagnes, hein. Moi, j'ai bien peur de ça, aller sur un lac, là, mais elle, elle y va un petit peu. Je la laisse aller un petit peu. Mais vous pouvez voir, là, elle essaie de gratter sur de l'eau. L'eau dans le lac, elle va aller se baigner. Oui, elle va aller se baigner, Zoé. Au moins, là, cet été, on va avoir du fun avec elle, mais quand elle est en rando, elle veut aller dans l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Je pense pas que vous pouvez entendre, mais il y a de l'eau là-bas. Puis l'eau emmène les morceaux de glace ben, dans la rivière, dans le lac. Puis on entend des craquements et tout ça. C'est sharp. L'autre côté, là, ça c'est Oka, je crois. Une place, j'ai déjà été faire de la raquette, j'ai été à l'été, c'est le calvaire d'Oka. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, on va continuer notre petite aventure, là. Espérons on va être capable de faire la trail comme il faut, là. Pas trop se casser à gueule, là, comme qui peut arriver. Puis ma tique, je sais pas si vous aimez ma tique. C'est ma fille qui me l'a faite. En tout cas, c'est un nouveau style que j'ai essayé. OK, fait qu'on va continuer. J'ai vu quelque chose d'intéressant, je voulais savoir. Puis sinon, mais passez une belle journée. Bye bye. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can see. Petit canard, il marche à la glace. I'm walking on thin ice. À part du fait que c'est une super belle journée dehors, il fait pas trop froid. On est vraiment venu ici pour rien. Zoé, non, pas dans les branches. Parce que où est-ce que je voulais aller, c'est fermé. Ben c'est temporairement fermé à cause que c'est y a trop d'eau. Fait que en tout cas. Je crois que c'est une belle place pour venir faire de la raquette. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de neige. À l'été, peut-être, si j'aurais des enfants, des petits-enfants, je viendrais ici. On va dire une journée qui fait bien chaud. Peut-être que je viendrais ici pour moi-même, là, pour avec des enfants, s'il ferait bien chaud. Puis tu veux pas faire quelque chose comme une grosse montagne ou quelque chose de même. Juste pour être dans la nature. Apprécier une belle journée dehors. Comme qu'on fait aujourd'hui. Je viens d'ici. C'est parce que ce qui arrive, c'est géré par la ville de Montréal.
Puis il faut que tu payes un parking. Puis si tu sais pas combien aujourd'hui, là, avoir su, j'aurais pas payé pour le parking pour toute la journée à 9$ parce que j'ai pas rien à voir pour 9$ ici, là. Mais je veux dire, j'aurais payé le parking peut-être de 2 heures au lieu. Mais je sais pas, moi, parce que je suis jamais venu. Fait que c'est pas grave. Parce que 9$ pour une sortie, c'est pas cher. Il y en a qui allaient au bar et ça leur coûte 300 dans une soirée. Fait que je pense que c'est bon. Zoé, je sais pas si vous allez voir, mais elle a comme aventuré un peu dans la boîte. Parce que c'est ça que ça fait des chiens. Ah, Zozo? Ah, Zoé? T'as-tu été dans la boîte? Hein? Zoé, elle voulait sauter dans les petits ruisseaux. Puis tout ça, elle, là. Bon. Un auto. J'ai vu un auto dans tout le temps que je suis ici. En tout cas, je pense que je suis arrivé à mon auto. Fait que c'est ça. Il y a un beau petit gazebo. Là-bas, il y a une plage. Ça me tente d'aller voir proche du... Il y a un centre, là, de... Comment on appelle ça? Où est-ce qu'on va pour chercher de l'information? Puis je vois qu'il y avait des gens qui vont par là, fait que je vais aller voir. Tant qu'à être ici, pour avoir payé 9$ de parking pour quasiment rien, je suis bien d'aller en profiter. Si je vois quelque chose, je vous reviens. Bye bye.